soutenu et très apprécié par les fans de la célèbre émission de télé-réalité Secret Story dans sa saison 5, l'ancienne candidate Sabrina Perky est maintenant confrontée à un cancer. Sabrina Perky @Instagram Sabrina Perky, une santé mise à rude épreuve ayant particulièrement touché le cœur des téléspectateurs avec qui elle avait partagé son histoire et son combat contre la mucoviscidose dont elle est atteinte, Sabrina Perky, a su faire preuve de courage en luttant sans relâche contre cette maladie. Même si les médecins étaient pessimistes sur son espérance de vie, Sabrina refusa de s'y résigner et engagea un vrai combat pour sa survie. Ayant pu se faire greffer de nouveaux poumons, la jeune femme, bien que toujours malade car les avancées de la médecine ne permettent pas encore d'en guérir, vit désormais de manière plus normale. La santé de la maman d'un garçon de 19 à 20 secondes déjà, est souvent mise à rude épreuve par la vie. Comme ce fut le cas en mai 2015 lors du Festival de Cannes, lorsqu'elle contracta une infection pulmonaire ou encore en 2021, avec le Covid-19 qui lui a valu un séjour à l'hôpital mais heureusement pour cette dernière, sans séquelles. Sabrina Perky a pu bénéficier de ses greffes de poumons. Néanmoins, elle reste prudente car elle en a déjà beaucoup enduré. Et pourtant, une fois encore, la vie va la mettre à l'épreuve. Effondrée suite à un simple check-up donnant régulièrement à ses followers des nouvelles sur sa santé, elle a malheureusement annoncé le jeudi 24 août qu'elle était atteinte d'un cancer. Ce qui n'était censé n'être qu'un simple contrôle de routine se transforma en horreur. Son médecin a détecté une anomalie et lui annonça qu'il s'agirait d'un cancer nécessitant une biopsie. C'est par le biais d'une vidéo au-dessus de laquelle elle avait posté un long message que ses fans l'ont appris. Elle a également partagé plusieurs stories sur Instagram pour ne pas les laisser dans l'inquiétude et l'ignorance en leur donnant des nouvelles et des détails sur son état de santé. Sabrina Perky explique avoir revu le médecin qui lui a diagnostiqué le dit cancer et avoir également déjà pris toutes les dispositions nécessaires en faisant des tests afin de s'assurer qu'il ne s'agirait pas d'un cancer rare. Elle ajoute qu'elle est aussi partie voir la chirurgienne chargée de son opération pour lui en demander le déroulement et les examens préalables. Cette mère de famille qui a déjà dû surmonter d'innombrables maladies, doit une fois de plus faire preuve de courage. Une volonté de faire bien qu'attristée par l'annonce de ce cancer, l'ex-star démontre une volonté de vivre plus forte que la maladie. Ce mardi 29 août, elle avait confié avoir partagé les mêmes peurs que ses médecins pour ses cordes vocales après des examens, suite à son opération. Néanmoins, on peut lire dans ses stories que Sabrina Perky commence à reparler normalement. L'opération consistait à lui retirer la thyroïde et la chaîne ganglionnaire qui sont désormais en laboratoire d'analyse. Les résultats sortiront le 22 septembre prochain et permettront au médecin de décider de la suite du traitement pour la soigner. Comme à son habitude, notre ancienne candidate rassure ses fans en déclarant se remettre doucement mais sûrement de son opération même si elle a été contrainte d'annuler tous les événements pour lesquels elle s'était engagée comme les virades de l'espoir consacrées à la lutte contre la mucoviscidose ou encore la journée du handicap en septembre prochain. Sabrina Perky, cette force de la nature dont le courage et la volonté auront eu le dernier mot sur toutes les difficultés liées à sa santé. Nous ne pouvons que lui souhaiter d'aller mieux. I just need